إذا كنت من عشاق الفن السابع أو الشاشة الكبيرة وتحب مشاهدة فيلم عفى عليه الزمن في إحدى دور السينما الفرنسية، فهذا أصبح ممكناً اليوم. قام بعض الشبان الفرنسيين بإنشاء موقع إنترنت يسمح لزائره بمشاهدة الفيلم الذي يرغب في إحدى دور السينما الباريسية برفقة عدد من الأصدقاء، إذ يقوم الزبائن باختيار الفيلم وصالة العرض وتوقيت مشاهدة الفيلم التي يرغبون عبر موقع إنترنت خاص قبل يومين على الأقل من التاريخ المختار، حيث يقوم بيير نيكولا صاحب موقع الإنترنت الفريد هذا بتقديم طلب حجز صالة من دار السينما الباريسية المقصودة، ثم يتجه زبائنه إلى هناك ليتمتعوا بمشاهدة فيلمهم في الصالة المعتمة كما تسمى هنا. J'avais envie de réunir à la fois ma passion du cinéma et ma passion pour internet. Propose aussi aux internautes de solliciter à Like Cinéma pour dire ma salle de cinéma près de chez moi, j'ai envie qu'elle rentre dans ce dispositif. À ce moment-là, on contacte la salle et on la fait rentrer dans Like Cinéma. Parce qu'on a des cinémas qui nous ont contactés, notamment au Maroc et à Beyrouth également, pour essayer d'utiliser le service. Donc avoir des films en arabe, ce n'est pas très compliqué, à mon avis. Il faut juste qu'on trouve des spectateurs qui nous le demandent. Il faut que le nombre de personnes qui sont intéressées dans une salle de salle de 20 personnes soit ما يحفز الطلاب والأصدقاء على التواصل فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الحد الأدنى من الحجوزات، أي 20. J'ai pas tout le temps le temps d'y aller. Quand il y a des nouveautés, bon bah je les rate. Elles sont plus à l'affiche. J'ai sélectionné un film avec ma fille. On a créé notre séance pas loin de chez nous. Donc on a invité des amis. On va retrouver peut-être des fans aussi de Jean-Luc Godard puisque c'est un film de Jean-Luc Godard. Qui passe très rarement la télé, qui n'est pas à l'affiche dans aucune salle. Je suis venu avec mon frère, j'ai invité mon frère. Parce que j'ai vu qu'il y avait une séance ouverte, qu'il y avait un film que j'appréciais. Je sais que c'est une très belle salle en plus de ça ici. Donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion voilà, de sortir avec quelques amis. إلى جانب المتعة في مشاهدة فيلم قديم لم يعد يعرض في دور السينما، تشجع هذه الطريقة على إعادة إنعاش سوق صالات باريسية قديمة وإخراجها من دائرة النسيان. ليث بزاري، العربية، باريس.